Sous ce chapiteau, au cœur du Perche sartois, un rêve prend forme, le cirque cabaret. On a pris toutes les choses qu'on aimait, ça veut dire les performances du cirque, de l'acrobatie, de l'aérien, dans un style qui est glamour, du cabaret. Célia et Julien, couple d'acrobates, ont composé une véritable déclaration d'amour au spectacle vivant et au miracle de la performance. On a trouvé des artistes qui, dans chacune de leurs disciplines, vont à l'extrême de leur discipline pour éblouir, pour émouvoir, pour choquer, s'il faut, le public. Le cirque cabaret renoue également avec la tradition du spectacle itinérant. De novembre à avril, 6 mois de tournée prévue, toute une logistique. Bon, bah, en tout cas, on part avec le chapiteau, le plancher, le gradin, les agrès, les lumières, tout. On est complètement autonome. Donc ça représente quand même 3 semi-remorques. Redescends pour que vous soyez pile face à face, ouais. Et que là vous puissiez chanter. Et pour relever ce défi, Célia et Julien s'appuient sur une véritable famille d'artistes. Clac, change chacune de côté. Okay. Il y a beaucoup de morceaux d'ensemble, et là, c'est là qu'on voit la cohérence du groupe, et qu'on voit aussi les clins d'œil, les regards, les sourires, l'énergie qu'on donne. Il suffit de mettre la musique et de commencer un numéro, et on est déjà tous emportés par le show. Quand même, ça touche le sentiment aussi d'être dans un chapiteau, de refaire les choses de manière traditionnelle, mais aussi d'amener un spectacle complètement innovatif. Le cirque cabaret plantera son chapiteau dans 11 villes en France. Première étape à la Ferté-Bernard du 3 au 6 novembre et fin de la tournée le 10 avril à Angers.